Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter le compte à rebours de Galactus qui arrive le 1er décembre à 22h exactement. Donc regardez sur mon écran, on peut voir le compte à rebours, c'est dans 10 jours, 5h, 55 minutes et 42 secondes. Nous pouvons le voir aussi sur la carte des défis, donc voilà, sur la petite minimap que vous voyez là. Alors j'ai un petit article qui a été publié par Fortnite via Twitter qui dit que pour ceux qui veulent participer, il faudra se connecter au moins 60 minutes avant le début. Donc il faudra se connecter une heure à l'avance sur Fortnite pour être sûr d'avoir une place. Ils vont faire en sorte d'avoir un maximum de personnes, mais bon, ils savent pas garantir toutes les personnes. À mon avis, il y aura sûrement full monde, donc les serveurs vont peut-être pas tenir. Donc pour être sûr que tout se passe bien, bah, ils font un maximum de personnes, ils vont lancer un maximum de personnes, peut-être qu'ils rejoueront l'événement, ou je ne sais pas, faudra peut-être participer, regarder sur internet si vous voulez voir si vous l'avez loupé. Mais ils disent, franchement, si vous voulez être sûr d'avoir une place, ils disent qu'il faut se connecter au moins 60 minutes avant le début. Et le mode de jeu de l'événement devrait s'afficher 30 minutes avant l'heure indiquée. Donc vous arrivez une heure à l'avance et 30 minutes plus tard, normalement, ils auront mis un mode spécial dans le jouet. Genre ici, hein, ils auront mis un mode spécial pour l'événement. Vous choisirez l'événement et vous pourrez y aller 30 minutes à l'avance. Donc comme ça, vous aurez votre place directement. Donc moi, je serai en live, bien entendu, le 1er décembre à 22h. Donc voilà, moi, je serai en live si jamais ce jour-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez participer à l'événement avec moi. Et regardez, même dans le jeu, il y a le compte à rebours et c'est partout parce que le bus de combat a changé. Donc il n'est plus comme ça, vous allez voir comment il est. Il est comme ça. Voilà, voilà. C'est un vrai avion maintenant, c'est même plus... une montgolfière qui tient le bus. C'est vraiment des réacteurs à la Iron Man comme ça, franchement. Tony Stark, il a fait du bon boulot. Donc voilà, ça c'est le nouveau bus de combat. Il est trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Mais celui-là, je le valide à 100%. Quoi. Franchement, il est trop badass. La version juste avant, elle était pas si ouf, hein, avec le ballon, parce qu'il y avait encore le ballon. Et voilà, la technologie de Tony Stark. Il a pas besoin de ballon, wesh. Hein. il est trop puissant, ce type. Regardez, en plus j'ai le skin Tony Stark et tout, il est trop puissant, ce type. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace.